soit à lui. À lui. Amen. Pas à moi, à lui. À lui. À lui la gloire. Alléluia. À lui la gloire. Put up your hand. Put up one hand. Acclamez, s'il vous plaît. No. I don't want that. She can't take a picture with that. No, he told me. Yeah. Raise up both hands. Levez juste vos mains. Both hands. Les deux. Look up to God. Say thank you, Jesus. Dites merci, Jésus. You've given us a beautiful evening. Tu nous as offert un bel après-midi. The sun is shining on us. Le soleil brille sur nous. Thank you for this occasion. Merci pour cette occasion. Help me to receive your best. Aide-moi à recevoir le meilleur de toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Hallelujah. I'm from a family of 13 children. Je suis d'une famille de 13 enfants. On the farm. Dans les champs. Hard work. Et nous devions travailler dur. But I accepted Jesus Christ when I was young. Et j'ai accepté Jésus-Christ quand j'étais très jeune. I was married young. Et je m'étais marié très jeune. And then we went to India as missionaries. Puis nous sommes allés en Inde comme missionnaires. We loved the people. Nous aimions les gens. They were nice to us. Ils étaient très gentils avec Both nous. The Muslims and the Hindus treated us very nice. Aussi bien les musulmans que les hindous nous avaient très bien traités. But I couldn't prove to them that Jesus was alive. Mais je ne pouvais pas leur prouver que Jésus est encore vivant. So we went home broken-hearted. Alors nous retournions chez nous les cœurs brisés. Listen. Écoutez. Christianity without miracles is just another religion. La chrétienté sans les miracles est tout juste une autre religion. A philosophy. Une philosophie. There were miracles in the Bible. Il y avait des miracles dans la Bible. God has not changed. Dieu n'a pas changé. He's the same. Il est le même. It's us who has changed. C'est plutôt nous qui avons changé. Religion has changed us. C'est la religion qui nous a transformés. I don't have religion. Moi, je n'ai point de religion. I don't want religion. Et je n'en veux pas. Religion is a formality. La religion n'est qu'une formalité. It's a creed. Et c'est un credo. It's a ceremony. C'est une cérémonie. Christ is life. Mais Christ est la vie. I believe that. Et c'est ce que je crois. So we came home broken-hearted. Et nous sommes rentrés chez nous les cœurs brisés. And Jesus appeared to me. Et Jésus m'a paru. I thank him that he did that for me. Je le remercie d'avoir fait cela pour moi. He's appeared to people in our meetings all over the world. Et depuis toujours, il est apparu à des gens dans nos rencontres comme celle-ci à travers le monde. He wants the world to know that he's alive. Il veut que le monde sache qu'il est vivant. I pray that he will appear to some of you here. Ma prière, c'est qu'il apparaisse à certains d'entre vous ici. I was in Holland. J'étais en Hollande. A very angry man came to the meeting. Un homme très énervé était arrivé à la réunion. He was an atheist. Il était un athée. He hated the idea of God. Et il haïssait l'idée de Dieu. He thought every preacher
was a hypocrite. Et pour lui, tout prédicateur n'était rien qu'un hypocrite. He thought every church was a house of superstition. Et pour lui, toute église était une maison de superstition. And he always swore, I would never bow and pray. Et il jurait toujours, je ne m'inclinerai jamais pour prier. Many times he shook his fist. Et souvent, il a brandi son poing vers le ciel. If you're God, kill me. Si tu es Dieu, si tu es là-bas, alors tue-moi. You know, it's kind of stupid to talk that way. Et c'est vraiment stupide de parler de cette manière. Because God is love. Parce que Dieu est Dieu. No, God is love. God is love. Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Oui, oui. Il ne tue personne. Il ne tue personne. Hallelujah. Amen. He came to the meeting in Holland. Et il est venu à cette réunion aux Pays-Bas. 100,000 people came like this. Il y avait une centaine de mille comme ici. And you know what I preached on? Vous savez ce que j'ai prêché le jour-là? I didn't know he was there. Je ne savais pas qu'il était là. I didn't know he hated God. Je ne savais pas qu'il haïssait Dieu. I didn't know he said he would never pray. Je ne savais pas qu'il a dit qu'il ne prierait jamais. But the Lord knew. Mais le Seigneur le savait. The Lord knows about you. Le Seigneur sait tout à propos de he toi, knows à ton your sujet. Heart. Il connaît ton cœur. He knows what you're thinking. Il sait ce que tu penses. I preached on prayer. J'ai prêché sur la prière. Imagine that. Imaginez cela. Simple. Très simple. Ask and it'll be given. Demande et il te sera donné. Seek and you'll find. Cherche et tu trouveras. Knock and it'll be open. Frappe et il te sera ouvert. Simple. Très simple. Nothing complicated. Rien de compliqué. And then we finished the sermon. Puis quand j'ai fini le sermon, and we prayed. Nous avons prié. He had this thought. Il avait cette pensée. If I'm ever going to try this thing called prayer, this would be the best time to try it where there's so many of my own people that's doing it. Si jamais il doit avoir une occasion où je dois essayer la prière, je crois que c'est le meilleur moment où il y a beaucoup de mes concitoyens qui sont en train de le faire. So he started to pray. Alors, il a commencé à prier. Jesus Christ appeared before that wicked man. Et Jésus-Christ apparut devant ce méchant. Oh, I thank the Lord that he always comes and confirms his word. Je remercie le Seigneur de ce qu'il est toujours là pour confirmer sa parole. You know, the Bible says when his followers went out to preach, he worked with them. Confirming the word. La Bible dit que quand ses disciples s'en étaient allés prêchant sa parole, il était lui aussi avec eux, travaillant avec eux, confirmant sa parole. He's with me now. Il est avec moi maintenant. I'm no God. Je ne suis pas Dieu. I'm a farmer. Je suis un paysan. I love God. J'aime Dieu. But I'm an ordinary man like you are. Mais je suis un homme ordinaire, tout comme vous. Jesus said, I can do nothing by myself. Jésus-Christ a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Only what the Father does through me. Seulement ce que le Père fait à travers moi. I say the same thing. Et c'est la même chose que moi I aussi, je dis. I can do nothing to help people. Je ne peux rien faire pour aider qui que ce soit. I'm a voice. Je suis une voix. I'm a voice. Je suis une voix. Of good news. Une voix de bonnes nouvelles. I bring you good news. Et je vous apporte de bonnes nouvelles. I'm a voice. Je suis une voix. But God will be the one to come and do your miracle. Mais Dieu est celui qui viendra accomplir votre miracle. And he will come. Et il viendra à coup sûr. He is here now. Il est ici maintenant. Jesus is passing your way today. Jésus-Christ est en train de passer ton chemin aujourd'hui. Don't miss him. Ne le rate pas. Receive him. Reçois-le. Believe in him. Crois en lui. That man saw Jesus. Cet homme a vu Jésus. He thought Jesus had come to kill him. Et il a eu l'idée que Jésus est venu le tuer. Think of that. Pensez à cela. Poor man.
Quel pauvre homme. Scared. Il avait peur, il était effrayé. Lonely. Solitaire. Fearful. Et il était rempli de crainte. Jesus smiled at him. Jésus lui sourit. He said when he smiled, I knew he wasn't mad at me. Et il a dit quand il a souri, j'ai reconnu tout de suite qu'il n'était pas énervé contre moi. Hey. Hey. God is not mad at anybody. Dieu n'est pas énervé contre qui que ce soit. He loves you. Il t'aime. He's redeemed you. Il t'a racheté. He was changed. Il était transformé. You know, he owned a hotel. Savez-vous, il était propriétaire d'un hôtel. It happened that we were staying in his hotel. We didn't know it. Et ironie du sort, nous logions dans son hôtel sans le savoir. Did you get that right? Yeah. Okay. We were in his hotel. Nous étions dans son hôtel. The next morning. Et le lendemain matin. In beautiful Holland. Et dans la belle Hollande. We opened the windows. Nous avons ouvert nos fenêtres. To smell the flowers. Et pour sentir l'odeur des belles fleurs. And below our window was the patio where they served breakfast. Et en dessous de nous, il y avait un patio où il y avait un petit déjeuner. We heard a voice. Et nous avons entendu une voix. A man's voice. Et une voix d'homme. And we could tell he was talking about Jesus. Et nous pouvons affirmer qu'il était en train de parler de Jésus. We looked. Et nous avons regardé de plus près. It was the owner. Et c'était le propriétaire. The man that hated God. L'homme qui haïssait Dieu. He was going from table to table. Il allait de table à table. Telling his customers. Et il disait à ses clients. He said, Jesus is real. Jésus est réel. You know, funny things happen when you preach the gospel. Vous savez, de drôles choses se passent quand. Not great show. Funny things happen when you preach the gospel. De drôles choses se passent quand on quand on prêche l'évangile. Isn't that true? Est-ce que c'est vrai? Yeah. Some of you have ideas. Certains d'entre vous ont des idées. Be careful. Et faites attention. Listen. Écoutez. I'm here to help you. Je suis ici pour vous aider. I truly believe God sent me as a messenger to help you. Je crois vraiment que Dieu m'a envoyé comme un messager pour vous aider. God wants to save France. Dieu veut sauver la France. God loves the people of France. Dieu aime le peuple français. France is a historic colonial power. La France est une puissance coloniale historique. Is that right? N'est-ce pas vrai? And all over the world are ex-colonies. Il y a beaucoup de pays du monde qui étaient des ex-colonies de la France. They speak French. Et ces ex-colonies parlent le français. They need you. Ils from ont France besoin de vous à partir de la France. To rise up and go tell them about Jesus. Vous devez vous lever et aller leur parler du Seigneur Jésus. Don't wait for some American or some Swede to go. N'attendez pas certains Américains ou certains Suédois pour y aller. The beautiful language of French. We can't talk it. Nous ne pouvons pas parler cette belle langue qu'est le français. French is so beautiful. Et le français est une si belle langue. The world deserves people from France who speak proper French. Le monde mérite des Français qui parlent parfaitement cette langue. You believe that? Croyez-vous cela? Now that's my introduction. Et ça, c'est mon introduction. I have to talk a little bit so you can decide if you like me. Et je voudrais parler un peu afin que vous décidiez si vous m'aimez ou pas. Hein? What do you think? Que pensez-vous? Remember, I'm not a God. Rappelez-vous que je ne suis pas Dieu. I'm a voice. Je suis une voix. I love you. Je vous aime.
I'm old. Je suis vieux. 84 years old. J'ai déjà 84 ans. I've been in almost 100 countries. Et j'ai visité déjà presque une centaine de pays. Why did I cross the ocean to come over here? Pourquoi ai-je eu à traverser les océans pour venir jusqu'à vous? Because I think God wants to bless you. Parce que je pense que Dieu veut vous bénir. He wants to heal you. Il veut vous guérir. He wants to save you. Il veut vous sauver. He wants to bless you. Il veut vous bénir. So now, alors maintenant, I want to read a verse of scripture that I'm going to talk about. Je veux lire un verset biblique dont je veux parler. Now, I'm speaking in his name. Maintenant, je parle en son nom. You've respected me. Vous m'avez respecté. You have paid a price to come to this big vous avez payé un prix pour venir à cette rencontre. I've paid a lot of money to come. J'ai payé assez d'argent pour venir. My own money, not from you. Mon argent, pas votre argent. You understand? Vous comprenez, n'est-ce pas? I've come because I love you. Juste parce que je vous aime. And I want to share some of what I have witnessed. Et je veux partager avec vous certaines des choses dont j'ai été témoin. And I urge you. Et je vous en supplie. Be reverent. Et soyez révérend. Listen to his words. Écoutez ses paroles. And respect it. Et respectez-les. This scripture is in the Bible book of Hebrews. Et ce verset se trouve dans le livre biblique des Hébreux. It's a great statement. Et c'est une grande déclaration. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. I believe that. Je crois en cela. Every place I've gone in almost 90 countries. Partout où je suis allé dans environ 90 pays. I've told the people about that. Et j'ai parlé aux gens de cela. And wherever I go, et partout où je vais, he goes with me. Il va avec moi. I believe that. Je crois cela. You might question that. Vous pouvez questionner cette chose. But I believe that. Mais j'y crois fermement. And so the wonders that have happened all over the world are the proof. Ainsi donc, les miracles qui se sont produits à travers le monde entier en sont la preuve. I was preaching in Lille, France. J'étais en train de prêcher à Lille. A big crowd like this. Il y avait une foule justement comme celle-ci. A gypsy couple was there. Il y avait un couple gitan. They had a 14-year-old boy. Ils avaient un garçon âgé de 14 ans. He had tuberculosis of the spine. Il avait la tuberculose de la colonne vertébrale. And his spine was crumbling. Et sa colonne vertébrale s'effritait littéralement. They listened. Écoutez, ils ont écouté. Very respectfully. Avec beaucoup de respect. We preached. Nous avons prêché. They prayed to receive Jesus. Et ils ont prié pour accepter Jésus-Christ. And then we prayed for the sick people. Puis nous avons prié pour les malades. All at one time. Et pour tous en même temps. Yeah, yeah. See, I'm not the healer. Et c'est pas moi le guérisseur. So I don't need to pray individually et c'est pour cela que je ne dois pas prier pour chaque malade individuellement l'un après l'autre. He's the healer. Mais c'est lui le guérisseur. 1,000 sinners can be saved at once if 1,000 sinners believe on Christ. Des milliers de pécheurs peuvent être sauvés simultanément s'ils peuvent croire. Ils peuvent être sauvés en même temps s'ils peuvent croire en même temps. Same. 1,000 sick people can be healed at the same time. De la même manière, des milliers de malades peuvent être guéris simultanément. If 1,000 sick people believe. Si ces milliers de malades pouvaient croire. It's one-one. Si c'est un à un. God and you. Dieu et toi. I'm a voice. Je suis une voix. To share his word. Pour partager sa parole. Then it's up to you. Et tout dépend de toi. Between you and God. C'est entre toi et Dieu. And with all these people believing. Et si tous ceux s'y croient. That helps.
Cela est d'une grande aide. The Bible said, la Bible dit, if two or three are gathered in my name, there am I in the midst of you. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. If thousands of people are gathered in his name, si des milliers sont rassemblés en son nom, there is he in the midst. Il est là au milieu d'eux. He's here. Il est ici. I declare he's here. Je déclare qu'il est ici. Because not because of me. Non pas à cause de moi. Because of you. Mais à cause de vous. He loves you. Il vous aime. He wants to live with you. Il veut vivre avec vous. Did you know what the Bible says? Savez-vous ce que la Bible dit? Let me read this to you. Permettez-moi de vous le lire. The Bible said. La Bible dit. It's a beautiful statement. Et c'est une belle déclaration. If you hear my word, Jesus said this. C'est Jésus qui parle. If you hear my word, si vous écoutez mes paroles, you love me. Vous m'aimez. If you love me, si vous m'aimez, my Father will love you. Mon Père vous aimera. Anyone who loves me, quiconque m'aime, will be loved of my Father. Sera aimé de mon Père. And I will love him. Et je l'aimerai. Listen to this. Écoutez ceci. And I will manifest myself to that person. Et je me manifesterai à cette personne. Now I don't know how he'll manifest himself to you. Je ne sais pas comment il se manifestera à toi. But that's what he says in his word. Mais c'est ce qu'il a dit dans sa parole. He showed himself to me. Il s'est révélé à moi. When I came back from India, quand je suis rentré d'Inde, I saw him. Je l'ai vu. Alive. Vivant. He walked in our room. Il est entré dans ma chambre. I'll never forget it. Je ne l'oublierai jamais. I couldn't move a finger or a toe. Je ne pouvais pas bouger un seul doigt ni un orteil. At 6 o'clock in the morning. À 6 heures du matin. I lay there till 2 o'clock in the afternoon. J'étais prostré sur le parquet jusqu'à 14 heures. He manifested himself to il me. S'est manifesté à moi. I'm thankful for it. Et je suis reconnaissant pour because cela. That helped me to have faith. Parce que cela m'a aidé à avoir la foi. I believe he's alive. Et croire qu'il est vraiment I vivant. Saw him. Je l'aime. And I knew I wasn't preaching a dead religion. Et j'ai su que je n'étais pas en train de prêcher une religion morte. I was preaching a living Christ. Mais j'étais en train de prêcher un Christ vivant. I will love that person. Il dit, j'aimerai cette personne. And I will manifest myself to that person. Et je me manifesterai à cette personne. Then he repeats it. Et il l'a répété. Why does he repeat it? Pourquoi l'a-t-il répété? He wants you to know it. Il veut que tu le saches. He said, if you love me. Il dit, si tu m'aimes. And will keep my words. Et tu gardes mes paroles. That means today, if you'll receive him and accept him. Ça veut dire aujourd'hui, si tu le reçois et que tu l'acceptes. Then he continues. Et alors il continue. My father will love that person. Mon père aimera une telle personne. And we will come to that person. Et nous viendrons à cette personne. That's not all. Et c'est pas tout. We will make our abode with that person. Et nous établirons notre demeure chez cette personne. That's wonderful. C'est merveilleux. God is saying to you. Dieu est en train de te dire. Hey, I love you. Je t'aime. I died for you. Je suis mort pour toi. I shed my blood for you. J'ai versé mon sang pour toi. I believe in you. Je compte sur toi. I want to come to you. Je veux venir à toi. I want to be your friend. Je veux être ton ami. I don't want you to be afraid of me. Je ne veux pas que tu sois effrayé, que tu aies peur de moi. I love you enough, I died et for you. Je t'aime et c'est pour ça que je suis mort pour toi. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He said, il a dit,
With God, all things are possible. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. He said. Il a dit. Not my words. Ce ne sont pas mes paroles. We're not a sect out here. Nous ne sommes pas une secte ici. We're Christian people out here. Nous sommes des chrétiens ici. France is 83% Christian. La France est chrétienne à 83%. Did you hear that? Avez-vous entendu cela? We're not sects. Nous ne sommes pas une secte. We're Christian. Nous sommes des chrétiens. He said, if you can only believe, il dit, si seulement tu peux croire, all things are possible to the person who believes. Toutes choses sont possibles pour la personne qui croit. Now you can call that superstition if you want to. Vous pouvez nous appeler des superstitieux si vous choisissez de le faire. You can call it a sect if you want to. Mais vous pouvez même nous appeler une secte si c'est ça que vous voulez. We're not a sect. Mais nous ne sommes pas une secte. We're believers in God. Nous sommes des gens qui croient en Dieu. Historically, France has believed in God. Et historiquement, la France a cru en Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Our theme is to talk about Jesus. Is to talk about Notre thème, c'est de parler de Jésus. He's the same. Il est le même. Unchanged. Il n'a pas changé. His word is the same. Sa parole est la même. His promise is the same. Ses promesses sont les mêmes. His works are the same. Ses œuvres sont toujours les mêmes. His will is the same. Sa volonté est la même. His ministry is the same. Son ministère demeure inchangé. The Christ who walked the shores of Galilee is here in Paris today. Le Christ qui a foulé les côtes de la Galilée est ici maintenant à Paris. The Christ who healed the sick in Bible days. Le Christ qui a guéri les malades au temps biblique. Who gave sight to the blind. Qui a donné la vue aux aveugles. Who gave hearing to the deaf. Qui a donné l'ouïe aux sourds. He still has compassion on those who are sick. A toujours compassion de ceux qui sont malades. He who blessed the poor. Celui qui a béni les pauvres. And forgave sinners. Et a pardonné les pécheurs. He's still the Savior today. Il est encore le Sauveur aujourd'hui. Remember these truths from tonight. Souvenez-vous de ces vérités à partir de ce soir. If people could come to Jesus then and receive his mercy. Et si des gens pouvaient venir à Christ en ce moment et recevoir sa miséricorde. You can come to Jesus and receive his mercy today. Vous pouvez venir à Christ et recevoir sa miséricorde aujourd'hui. If God's promises were good when Jesus was here on earth. Si les promesses de Dieu étaient bonnes quand Jésus était ici sur terre. His divine promises are good tonight. Alors, ses promesses divines sont bonnes ce soir. If suffering humanity could call on him and receive his touch. Si l'humanité meurtrie peut l'invoquer et recevoir sa touche divine. You can call on his name. Vous pouvez invoquer son nom. He will come to you. Et il viendra à vous. Touch you. Et il vous touchera. Today. Aujourd'hui même. Today. Aujourd'hui même. Now. Maintenant. Today. Maintenant. While I'm talking to you. Pendant que je suis en train de vous if parler. You believe in him, si vous croyez en lui. He can come to you. Il peut venir à vous. And change your life. Et transformer votre vie. We had a great meeting in Lomé, Togo. Nous avons eu une très grande rencontre à Lomé, au Togo. Thousands of people like this. Il y avait des milliers comme ceci. Did you know
I wasn't ever able to pray for the sick. Savez-vous, je n'ai jamais été en mesure de prier pour les malades. I prayed for people to accept Christ. J'ai prié pour les gens d'accepter le Christ, Jésus. Christ is the healer. C'est Jésus le guérisseur. They accepted him. Ils l'ont accepté. When you accept him, you accept his life. Et si vous l'acceptez, vous acceptez sa vie. When his life comes in you, et si sa vie vient en toi, you're a new creature. Tu es une nouvelle créature. He forgives all your sins. Et tous tes péchés sont pardonnés par lui. But what else? Et quoi d'autre? He heals all your diseases. Et il guérit toutes tes maladies. And the people would get healed while I was talking. Et les gens recevaient leur guérison pendant que je prêchais. Because Jesus came into their life. Parce que Jésus est entré dans leur vie. You can be healed now. Vous pouvez être guéri maintenant. You don't have to wait for the prayer. Vous ne devez pas attendre les prières. Say, I'm listening. Dites, j'écoute. If lepers could fall down and worship him and be healed in the Bible. Si des lépreux peuvent se prosterner, l'adorer et être guéris dans les temps bibliques. Lepers can be healed today. Des lépreux peuvent être guéris aujourd'hui. We've seen them healed around the world. Nous les avons vu recevoir leur guérison à travers le monde. You say, Osborne. Vous direz peut-être, Osborne, c'est vrai ça? Is that really true? Est-ce réellement une vérité? Yes. Oui. In many, many crusades, dans plusieurs croisades, lepers have been healed. Des lépreux ont été guéris. I don't know how. Je ne sais pas comment. How do you explain it? Je ne peux pas l'expliquer. God does it. Mais c'est Dieu qui le fait. I tell the people, je le dis au peuple. And God does the miracle. Et Dieu accomplit les miracles. Are you a leper today? Êtes-vous lépreux aujourd'hui? No, I don't think there are any lepers here today. Je ne crois pas qu'il y ait des lépreux ici. But if you were here, mais si vous étiez ici, God wants to heal you too. Dieu veut te guérir toi aussi. You believe that? Croyez-vous cela? If paralytics could rise and be healed when Jesus was here. Si des paralytiques pourraient se lever et être guéris si Jésus était ici, they can rise and be healed. Ils peuvent se lever et être guéris aujourd'hui. When you receive Jesus Christ, quand vous recevez Jésus-Christ, and you believe that he comes in your life, et vous croyez qu'il vient dans votre vie, then if you want to, you can toss your canes away. Alors si vous voulez bien, vous pouvez jeter vos béquilles, vos cannes, or abandon your wheelchair, ou votre fauteuil roulant. Vous pouvez vous en débarrasser. And get up and walk by faith in Christ. Vous pouvez vous lever et marcher par la foi en Christ. You think that could happen in Paris? Croyez-vous que ça peut se passer à Paris? Is Jesus any different in Paris than he is anywhere else? Jésus est-il différent à Paris qu'il n'est en un autre endroit? Hein? The same. Il est le même. If sinners could come to Jesus, si des pécheurs peuvent venir à Jésus, and be cleansed and forgiven, et être purifiés et pardonnés, 2000 years ago, il y a de cela 2000 ans, sinners today can be cleansed of their sins. Alors, les pécheurs peuvent être purifiés aujourd'hui de leurs péchés. Oh, how glad I am to know. Oh, combien je suis content de savoir. That Jesus has not changed. Que Jésus n'a point changé. I've proven it. Et je l'ai éprouvé. That don't make me important. Et c'est pas ça qui me rend important. Forget that. Oubliez cela. I'm a voice. Je suis une voix. I'm a believer. Je suis un croyant. I'm a Christian. Je suis un chrétien. That's all. C'est tout. But I love to tell people. Mais j'aime dire aux gens. That they can be blessed. Afin qu'ils soient bénis. My friends, the Lord wants to go home with you tonight and change your home. Mes amis. Le Seigneur veut rentrer avec vous ce soir et transformer vos maisons. I have witnessed him raise up the paralytics. Et je l'ai vu relever les paralytiques. You know, I would tell you some of these things, but I don't know if you could believe them.
Vous savez, je peux vous dire certaines de ces choses, mais je me demande si vous pourriez même les croire. God raises the cripples today who believe in him. Le Seigneur relève les paralytiques qui croient en lui aujourd'hui. He opens the eyes of the blind. Il ouvre les yeux des aveugles. I know some of you are thinking, well, stop talking. Open the eyes. Je sais que certains d'entre vous sont en train de se dire, hey, cesse de parler, ouvre mes yeux. Natural. C'est naturel. If I could, I would. Si je le pouvais, je l'aurais fait. I'm a voice. Je suis une voix. I want to share his promise. Je partage ses promesses. He said, if you can believe, il dit, si vous pouvez croire, all things are possible. Toutes choses sont possibles. I believe that. Je crois en cela. I think you're believing je crois that. Que vous croyez aussi. Some of you may think, oh, that's too much for me. Et certains d'entre vous peuvent dire, ça c'est trop pour moi. You can believe. Vous pouvez croire. You can believe. Vous pouvez croire. Tonight, decide. Décide-toi ce soir. Tonight, when you look up at the beautiful sky. Ce soir, quand tu regardes à ces beaux nuages, à ce beau ciel. Say, I make a decision. Dis-toi, je prends une décision. I believe in God. Je crois en ton nom. I believe in God. Je crois en Dieu. I believe the Bible. Je crois la Bible. You know, when you say, I don't believe. Quand tu dis, je ne crois pas. Say, oh, that's crazy. Et que tout ça, c'est idiot. I'm a skeptic. Moi, je suis un sceptique. I don't believe. Je ne crois pas. That's the most destructive force to the human psyche. C'est la puissance la plus destructive de l'être humain, de l'âme de l'homme. I said the psyche. J'ai dit le psyché. It's the most destructive force in your thinking. C'est la puissance la plus destructive dans votre pensée. Here you are today. Vous voici maintenant. In a historic meeting for France. Dans une réunion historique pour la France. Make a decision. Prenez une décision. This thing must be real. Cette chose doit être réelle. I shall believe in God from tonight. Je vais croire en Dieu à partir de ce soir. You've heard of Mother Teresa. Vous avez entendu parler de la Mère Thérèse. One of London's great journalists. L'un des grands journalistes. From London. De Londres. He didn't believe in Mother Teresa. Ne croyait pas en la Mère Thérèse. He said she's a farce. La Mère Thérèse. He said she's a farce. Il disait que c'est une farce. It's not true what she says. Que ce n'est pas vrai tout ce qu'elle dit. He was a great journalist. Il était un grand journaliste. For one of the biggest newspapers in London. De l'un des plus grands journaux de Londres. He was so convinced that she was a hypocrite. Il était si convaincu que Mère Teresa était une hypocrite. That he went to Calcutta. Et qu'il est parti à Calcutta. Lived there several weeks. Et il y a passé plusieurs semaines. And every day came to her institution to watch her. Et il venait tous les jours dans son institution juste pour l'observer. Watch her wash the dying. Et il observait laver ceux qui mouraient. And help the suffering. Et il la voyait aider tous ceux qui souffraient. He watched it day after day. Et il l'a observé jour après jour. After some weeks. Après quelques semaines. Hey, look
how long it takes some people to believe. Et voyez combien cela prend du temps à certaines personnes de croire. Believe tonight. Crois ce soir même. Don't wait, I've got to go back to Puerto Rico. Et n'attends pas parce qu'il faut que moi je retourne à Puerto Rico. Don't wait. N'attends pas. Your hour has come. Ton heure est arrivée. He didn't believe. Il n'a pas cru. But after some weeks, mais après quelques semaines, he said something happened to me. Il a dit quelque chose m'est arrivé. And I hope something like this could happen to you. Et j'espère que quelque chose comme cela puisse vous arriver aussi. It was like I was in a little prison cell. Il a dit c'est comme si j'étais dans une cellule minuscule de prison. And he said, all of a sudden, a little window opened at the top of my cell. Et il a dit, soudain, une petite fenêtre s'est ouverte au-dessus de ma cellule. And the light came through. Et la lumière m'est parvenue. Something happened to me. Et quelque chose m'est arrivé. He said, I believe. Et il dit, j'ai cru. Mother Teresa is not a hypocrite. Mère Teresa n'est pas une hypocrite. I believe je crois in God. Je crois en Dieu. It changed him. Et cela l'a transformé. He went back to London. Et il est retourné his à Londres. Life was changed. Sa vie était transformée. And he became a new kind of journalist. Et il est devenu un nouveau genre de journaliste. Could that happen to you tonight? Est-ce que cela peut vous advenir ce soir? Believe in God. Crois en Dieu. If you can only believe, si seulement tu pouvais croire. All things are possible. Toutes choses sont possibles. 63 blind people were healed during our one crusade in Africa. 63 aveugles ont recouvré leur vue durant l'une de nos croisades en Afrique. I hesitate to tell you that. Et j'ai hésité à vous le dire. Because you say you're crazy. Parce que vous dites, vous êtes fou. Et vous êtes un menteur. I'm not. Non, je ne le suis pas. All over the world, the blind receive their sight. De par le monde entier, les aveugles ont recouvré leur vue. Not through my name, pas à travers mon nom. In his name. Mais en son nom. Not by my love. Mais pas par mon amour. By his love. Mais par son amour. Religion has helped us get so far from God that we won't even believe when someone comes and tells us that God is the same today. La religion nous a aidés à nous éloigner si loin de Dieu que nous ne pouvons pas croire quand quelqu'un vient nous dire que Dieu nous aime. Change your mind. Changez votre mentalité. Don't be a skeptic. Ne soyez pas sceptique. Change your mind. Changez votre pensée. Let the light shine into your heart. Permettez à la lumière de luire dans votre cœur. Christ come home with you. Et que le Christ rentre chez vous, avec vous, ce soir. I was in Bangkok, Thailand. J'étais à Bangkok, en Thaïlande. A great campaign. Et une très grande campagne. Buddhist people. Parmi des bouddhistes. There was a woman who was a leper. Il y avait une femme lépreuse. She stayed at the edge. Elle était à la lisière de la foule. She couldn't come in because no one wants to be close to her. Elle ne pouvait pas venir parce qu'on ne lui permettrait même pas. Her back was humped over. The leprosy affected her spine. La lèpre a affecté sa colonne vertébrale. Elle était courbée. Parts of her fingers were gone. Et des phalanges étaient s'en est allées par la lèpre. Big nodules. Covered her face. Des nodules ont couvert sa physionomie. She was hopeless. Elle était sans espérance. She came to the meeting. Mais elle est venue à la réunion. She knew we welcomed everybody. Parce que nous, elle a appris que nous recevons tout le monde. God healed her. Dieu l'a guérie. I didn't. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. I didn't know about it. Je ne savais pas qu'elle était là. Like you, I don't know about your case. Et je ne connais pas votre cas personnellement. Draw near to God, he'll draw near to you. Mais Dieu va s'approcher de vous.
If you'll draw near to si him. Vous vous approchez de lui. You believe it? Croyez-vous cela? Right there, where you stand in your by your own self. Là où vous êtes debout de vous-même. Purpose in your heart. I believe. Décidez dans votre cœur. Je crois. I believe in je God. Crois en Dieu. You know, if you don't believe in God, si vous ne croyez pas en Dieu, what do you believe in? Qu'est-ce que vous croyez alors? Think about it. Réfléchissez à cela. What do you believe in? Qu'est-ce que vous croyez? It takes a lot more faith to be an atheist than it does to be a Christian. On a besoin de plus de foi pour être un athéiste que d'être un chrétien. To be an atheist. Être un athéiste. What do you believe? Qu'est-ce que vous croyez? How did we get here? Comment sommes-nous ici? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Where did the world come from? D'où vient le monde? You don't have any of those answers. Vous n'avez aucune réponse oh, à cela. Oh, you've got crazy answers. Oh oui, il y a des réponses plutôt idiotes. A big explosion. Oh, il y a eu le Big Bang. That's pretty crazy. Et c'est vraiment idiot. That takes a lot more faith than I have in Jesus. Et cela nécessite plus de foi que celle que moi j'ai en Christ Jésus. Hey. The scientists say this. Les scientifiques disent ceci. There's more proof that Jesus came back from the dead. Il y a plus de preuves que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts than there is that Aristotle ever lived. Qu'il n'y a de preuves que Aristote a jamais vécu. Now think about that. Réfléchissez à cela. I mean, scientific proof. Des preuves scientifiques, c'est ce dont je parle. There's none for Aristotle. Il n'y en a pas assez pour Aristote. None for Socrates. Il n'y en a pas assez pour Socrate. None for Plato. Il n'y en a pas assez pour Platon. I choose to follow Jesus. Mais moi, j'ai choisi de suivre I Jésus. In Jesus Christ. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. He's real. Il est réel. He's proved himself. Il a donné des preuves de lui-même. Hallelujah. Hallelujah. A man came to our meeting. Un homme est venu à notre réunion. In Latin America. En Amérique latine. Yo hablo español y yo amo la gente latina hispánica porque debemos anunciar el evangelio a los que están perdidos en Sudamérica y en España. Queremos ir allí. Je parle en espagnol et j'aime prêcher la bonne nouvelle à ceux qui parlent espagnol en Espagne et en Amérique du Sud. Porque el evangelio es para los hispánicos. Parce que l'évangile est aussi pour les hispaniques. Debemos aportar. Nous devons l'évangile à ellos. Nous devons leur apporter l'évangile. D'ici, je vais girer à Puerto Rico pour prêcher à la gente allí. J'irai à Puerto Rico pour prêcher l'évangile aux habitants là-bas. Alléluia. Alléluia. Gracias. Gracias mucho, mi hermana. Sí. Hey, you believe in God? Croyez-vous en Dieu? This man came. Cet homme est venu. He had been in an accident. Il a eu un accident. His ribs were crushed. Et ses côtes ont été brisées. He was a poor man. Il était pauvre. They were broken. Et les côtes étaient brisées. He had no money. Il n'avait pas d'argent to go to hospital. Pour aller à l'hôpital. He stood out there. Il se tenait là-bas. In great pain. Et dans une grande douleur. While I preached. Pendant que je prêchais. Jesus appeared to him. Et Jésus lui apparut. And healed him. Et le guérit. His pain was gone. Il n'y avait plus de douleur du tout. To the platform, pounding his ribs. Il est venu sur l'estrade et il te tapait sur la poitrine.
pour prouver qu'il n'avait plus de douleur. You can be healed while I talk to you. Tu peux être guéri pendant que je suis en train Jesus de parler. Christ is here while I'm talking to you. Jésus-Christ est ici pendant que je vous parle. And when you're healed, you can come up this platform both sides and tell these people. Et si tu es guéri, tu peux venir sur cette plateforme de tous des deux côtés pour en témoigner à ce public. You believe that? Croyez-vous cela? I told you about that gypsy couple. Et je vous ai parlé de ce couple de gitans. They had a cast plumb down to his knees. Et leur fils avait une carcasse de plâtre du cou jusqu'au genou. Tuberculosis in his spine. La tuberculose en finissait avec sa colonne vertébrale. If he moved, et si seulement il bougeait, bones crumbled. Et la colonne vertébrale devait se briser. They received Jesus Christ. Ils ont reçu Jésus-Christ. The father and mother were not good examples. Et le père et la mère n'étaient pas de bons exemples pour leur fils. They sang in the nightclubs. Ils chantaient dans des boîtes de nuit. And many other things that were not nice. Et ils faisaient beaucoup d'autres choses qui étaient plutôt mauvaises. They were not Christians. Ils n'étaient pas chrétiens. But they heard the gospel. Mais ils ont entendu l'évangile. And they were convinced that God loved them. Et ils étaient convaincus que Dieu les aimait. They received Jesus. Et ils ont reçu Jésus. By faith. Par la foi. He gave them peace. Et il leur a donné la paix. It was so beautiful. Et c'était si beau. And then we prayed for the sick. Et quand nous avons prié pour les malades, God answered prayer. Dieu a exaucé la prière. The boy was healed. Et le garçon était guéri. I didn't know he was in the crowd. Je ne savais pas qu'il était là. I don't know what your need is. Je ne connais pas votre besoin. But he was healed. Mais il était guéri. The papa took his big pocket knife out and cut that cast off of it. Et son père a sorti son grand canif de poche et a découpé cette carcasse. Think about that. Pensez à cela. He had faith. Il avait la foi. The boy was healed. Le garçon était guéri. He could bend. Et il pouvait se baisser. He could jump. Il pouvait sauter. He ran up the steps, ran back down. Et il a couru en montant les marches de l'escalier. Il est redescendu. In Lille. À Lille. In France. En France. Jesus is the same. Jésus est le même. To heal the hopeless. Pour guérir ceux qui n'ont point d'espérance. You believe it? Vous y croyez, n'est-ce pas? Mexico. I was in Mexico. J'étais à Mexico. A great campaign. Une très grande campagne. A poor man was dying of cancer. Un pauvre homme était en train de mourir de cancer. He was like a woman ready to give birth. Et son abdomen était comme une femme enceinte qui était à terme. A big cancer was killing him. Et une grosse tumeur cancéreuse le tuait. He was poor. Il était pauvre. They had an old truck. Ils avaient un vieux chariot. They put him on the back of the truck on some clothing. No, not clothing. Blanket, something. On l'a placé dans ce vieux chariot avec quelques couvertures. And they traveled over 100 miles. Et ils ont voyagé pour plus de 175 kilomètres. It's a miracle that he didn't die on the way. C'est un miracle qu'il n'était même pas mort en chemin. I don't know how he lived. Je ne savais pas comment il vivait. But he did. Mais il est arrivé. His boy, 12 years old, sat beside him. Et son fils, âgé de 12 ans, était assis à côté de lui. On the back of the truck. Et à l'arrière, dans le chariot. He loved his papa. Il aimait son père. He wanted to help his papa not suffer. Il voulait aider son père pour qu'il ne souffre pas. They came. Ils sont arrivés. They took him and put him on the ground. Ils l'ont sorti du chariot et l'ont déposé sur le sol. And they listened. Et ils écoutaient. Now, how do you explain this? Et comment pouvez-vous expliquer cela? You explain it to me. Expliquez-le-moi, s'il vous plaît. I don't have any explanation. Moi, je n'ai pas d'explication. I believe in God. Je crois en Dieu. I believe he's wonderful. Je crois qu'il est merveilleux. I believe
believe he has compassion on suffering people. Je crois qu'il a compassion de ceux qui souffrent. That man laid out there by a tree. Et cet homme était couché sous un arbre. His wife and his little boy trying to help him not suffer. Et sa femme et son petit garçon essayaient de l'aider pour qu'il ne souffre point. They received Jesus. Ils ont accepté Jésus-Christ. They were born again. Ils étaient nés de nouveau. That can happen to you today. Et ceci peut arriver dans votre vie ce soir. He was healed. Il était guéri. That big cancer disappeared. Et cette grosse tumeur cancéreuse a disparu. Explain it, please. Expliquez-le si vous le pouvez. I can't. Moi, je ne le peux pas. Where did it go? Où est-elle partie? I don't know where it went. Je ne sais pas. All things are possible if we can only believe. Toutes choses sont possibles si seulement nous pouvons croire. That man was healed. Et cet homme fut guéri. Now listen, that's écoutez, that's not the end of the story. Ce n'est pas la fin de l'histoire. The mama and the man came and testified and told to the people. L'homme et son épouse sont venus, ont rendu témoignage à la foule. And the little boy was with them. He was clinging to his papa. Et le petit garçon qui était avec eux s'accrochait à son père. Because he was glad his papa didn't hurt anymore. Parce qu'il était content que son père ne souffrait plus. And the papa told the people. Et le père avait dit à la foule. It's wonderful to see things like that. Et c'est merveilleux de voir des choses de ce genre. You believe that? Croyez-vous cela? After the papa finished his testimony. Après que le père ait fini son témoignage. You know what the boy did? Savez-vous ce que le garçon a fait? Papa. Il a dit, papa, Mama, maman, look at my feet. Regardez mes pieds. I didn't know what was happening. Je ne savais pas ce qui se passait. Look at my feet. Regardez mes pieds. He was born club-footed. Il était né avec des pieds beaux. Twisted. Des pieds qui étaient tordus. He walked on the back of his foot. Il marchait sur le dos de son pied. You ever seen anybody like that? Avez-vous jamais vu des gens comme ça? I've seen quite a few people like oui, that. Oui, j'ai vu certaines personnes comme ça. It's a marvel, it's a bone miracle for God to do something. Et c'est un miracle que Dieu ait fait quelque chose de ce genre sur le squelette. C'est une création nouvelle. But he's the creator. Mais il est le créateur. That boy's feet were flat. Et les pieds de ce garçon étaient maintenant corrects. The cancer in the papa was gone. Et le cancer du père s'en était allé. I saw it. Je l'ai vu. I witnessed it. Et j'en rends témoignage. I love God. J'aime Dieu. I love to help people. J'aime aider les gens. I didn't do that. C'est pas moi qui l'ai fait. I just gave the report that God wants to bless people. Moi, j'ai juste fait l'annonce que Dieu veut aider les gens. Then the people prayed. Et les gens ont prié. And God heard their prayer. Et Dieu a exaucé leur prière. No one can tell me that Christ has changed. Personne ne peut me dire que Christ a changé. What did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? In Bible days. Qu'est-ce qu'il a fait dans le temps biblique? He went about teaching. Il allait et enseignait. And healing all manner of sickness. Guérissant toutes sortes de maladies. That's what he did in the Bible. Et c'est ce qu'il a fait dans la Bible. He does it today. Il le fait aujourd'hui. He's here to do it. Today. Il est ici pour l'accomplir aujourd'hui. Another scripture. Un autre verset. God anointed Jesus with the Holy Ghost. Dieu a oint Jésus avec le Saint-Esprit. He went about healing all oppressed of the devil. Et il allait partout guérissant tous ceux qui étaient opprimés du diable. Jesus said. Jésus a dit, Satan comes to kill, steal, and destroy. Satan vient pour voler, tuer et détruire. But I'm come that you might have life. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie. The Bible says. La Bible dit. God spoke to the people. Dieu a parlé au peuple. He said, I set before you life and death. Il a dit, je mets devant vous la vie. Et la mort. And then, with the passion of the loving Father, he added.
puis avec la passion du Père aimable. He said, choose life. Et il a ajouté, choisissez la vie. Choose life. Choisissez la vie. So you can live. Afin que vous puissiez vivre. And your children can live. Et vos enfants aussi après vous. Friends, mes amis, you're a testimony to the most wonderful thing that can happen in this nation. Vous êtes le témoignage de la plus grande merveille qui peut s'accomplir dans ce pays. People gathering together in the name of Jesus Christ. Des gens se rassemblant au nom de Jésus-Christ. Thank God there's freedom in your country for this. Je rends grâce à Dieu de ce qui a la liberté dans votre pays pour ce genre de choses. He loves you. Nous vous aimons. If you don't want him, he won't bother you. Et si vous ne voulez pas de lui, il ne vous gênerait pas. If you want to just stand and look, you can do it. Si vous voulez juste vous tenir là-bas et regarder, vous pouvez le faire. But I urge you, only believe. Mais je vous en conjure, croyez seulement. The Bible says. La Bible dit. People ran through the area. Les gens couraient vers l'endroit. And they carried on beds. Those that were sick. Où il était et il portait sur des couches ceux qui étaient malades. And they all tried to touch him. Et tous essayaient de le toucher. And as many as touched him were healed. Et tous ceux qui l'avaient touché furent guéris. Isn't that beautiful? N'est-ce pas merveilleux? Is that different today? Est-ce que c'est différent aujourd'hui? Will you touch him? Allez-vous le toucher? By your faith? Par votre foi? You can do it tonight. Vous pouvez le faire ce soir. As many as touch him by faith can be healed tonight. Tous ceux qui le toucheront par la foi seront guéris ce soir. I was leaving a big campaign in Hyderabad, India. J'étais dans une grande campagne à Hyderabad en Inde. And we were leaving. Et nous étions en train de partir. And someone was pounding on the car. Et quelqu'un tapait violemment sur la portière de la voiture. I asked the driver to stop. Et j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter. He stopped and we opened the door. Il s'est arrêté, nous avons ouvert la portière. This man fell in and grabbed my leg. Et cet homme se jeta littéralement dans la voiture et me saisit par ma jambe. He said, brother, he said, Dr. Osborne. Et il a dit, Dr. Osborne. Thank you for stopping. Merci de t'être arrêté. I wanted to tell you. J'avais voulu te dire. 14 years ago, you were in my country. Il y a de cela 14 ans, tu étais venu dans mon pays. I was a leper. J'étais un lépreux. Today, I'm the pastor of a big church in the city. Aujourd'hui, je suis pasteur d'une grande église dans cette ville. Did I do that? Est-ce moi qui l'ai fait? I didn't do that. C'est pas moi qui l'ai fait. I didn't know about it. Je ne savais pas. Can I tell you another story? Pourrais-je vous raconter une autre histoire? I went to Thailand in 1956. You weren't even born. J'étais allé en Thaïlande en 1956. Je crois que vous n'étiez même pas encore né. A leper came. Un lépreux était là. And was healed. Et il était guéri. But nobody knew he was there. Mais personne ne savait qu'il était là. He came down from the north province of Thailand. Il était descendu d'une province du nord de la Thaïlande. He liked what I said. Et il a aimé ce que j'ai dit. He believed it. Il a cru. He was a Buddhist. Il était bouddhiste. He was healed. Il était guéri. I can't explain it. Je ne peux pas l'expliquer. God saw him. Dieu l'avait vu. God loved him. Dieu l'avait aimé. He went back north to the north province. Et il est retourné dans sa province. He remembered that the foreign preacher carried a black book. Et il s'est souvenu que le prédicateur étranger tenait dans sa main un livre noir. And he called it a Bible. Et qu'il l'appelait la Bible. So he looked for one. Alors il a cherché une. He found it. Il en a trouvé. He began to read it. Il s'est mis à la lire. He learned about Jesus. Et il a appris à connaître Jésus. Isn't that beautiful? Et n'est-ce pas merveilleux? You know what he did? Savez-vous ce qu'il a fait? He said, if this foreign God could heal me of leprosy. Il a dit, si ce Dieu étranger pouvait me guérir.
He could heal other lepers. Il peut guérir d'autres lépreux aussi. He found in this book that if he prayed to God, God would answer. Et il a trouvé dans ce livre que s'il priait Dieu, Dieu l'exaucerait. He believed it. Et il a cru. He began to pray for people. Et il a commencé à prier pour des malades. It's the province that's noted for many lepers. Et c'est une province où la lèpre était très répandue. And when he prayed for them, et quand il a prié pour eux, they got well. Et ils étaient guéris. After some time, après quelque temps, he became a preacher. Il est devenu prédicateur. Now, he didn't have a degree from a college. Alors qu'il n'avait aucun diplôme d'une école biblique. But he had love from God. Mais il avait l'amour de Dieu. That's better. Et ça, c'est mieux. And he began to preach. Et il s'est mis à prêcher. Now, this was 1956. Et ça, c'était en 56. One year ago, 2 years ago, we went back. Il y a de cela 2 ans, nous étions allés là-bas encore. To Thailand. Et encore en Thaïlande. And when the preacher sat on the platform, et quand les prédicateurs étaient assis sur l'estrade, one of them looked awful. L'un d'entre eux était formidable. Part of it, il était plutôt affreux. Yeah. Part of his nose was gone. Et il y avait une portion de son nez qui était absente. You ever see a leper? Avez-vous jamais vu un lépreux? Part of his ears were gone. Il y avait des portions de ses pavillons qui étaient partis. Part of his lips were gone. Et il y avait des portions de ses lèvres qui n'étaient plus. His hands, part of the joints were gone. Et il manquait des phalanges à ses doigts. There he sat. Mais il était là assis. With the preachers. Avec les autres prédicateurs. When I shook hands with him, et quand je lui ai serré la main, his hands were like that. Et ses mains étaient comme ceci. But they were clean. Mais elles étaient propres. His face looked awful. Et son visage était affreux, bien sûr. But it was clean. Mais il était propre. And he smiled. Et il souriait. But he smiled kind of like that. Mais son sourire était plutôt affreux. And I shook hands with him. Et je lui ai serré la main. You know what they told me? Savez-vous ce qu'on m'a dit? He's the leper that got healed 50 years before when we were in Thailand. Et c'est le lépreux qui fut guéri de cela 50 ans quand nous étions en Thaïlande. Isn't that wonderful? N'est-ce pas merveilleux? Now listen to me. Écoutez ceci. He's there now. You can go check out. Il est encore vivant. Vous pouvez aller vérifier. Listen. Écoutez. He's built 5 churches. Il a établi 5 églises. The 10 years after his miracle, 10 ans après son miracle, the government issued a proclamation in Thailand. Et le gouvernement a décrété une proclamation en Thaïlande. You can go investigate. Vous pouvez aller et faire les investigations. You don't believe in God? Vous ne croyez pas en Dieu? Go to Thailand and ask about it. Allez en Thaïlande et demandez. The government made a proclamation. Et le gouvernement a fait une proclamation. That province is leprosy free. Que cette province est libre de la lèpre. Il n'y a plus de lèpre dans cette province où la lèpre était endémique. The government did that. Le gouvernement l'a fait. No, we're not a sect. Non, nous ne sommes pas une secte. We're Christians. Nous sommes des chrétiens. We love God. Nous aimons Dieu. France is Christian. La France est chrétienne. France is not a sect in the world. La France n'est pas une secte dans le monde. France is Christian. Mais la France est chrétienne. Say I believe it. Dites je crois cela. There's so much I want to tell you. Il y a tant de choses que je voudrais vous dire. Jesus said, "Go to all the world." Jésus-Christ a dit, allez de par le monde entier. Preach to every creature. Prêchez à toutes les créatures. He said. C'est lui qui l'a dit. As you go. Et quand vous allez, heal the sick. Guérissez les malades. Cleanse the lepers. Purifiez les lépreux. Raise the dead. Ressuscitez les morts.
Cast out devils. Chasser les démons. Freely give. Donner librement. Jesus said. C'est Jésus qui l'a dit. In whatever city you go. Et dans chaque ville que vous irez. Heal the sick that are there. Guérissez les malades qui y sont. That's the church of Jesus Christ. C'est ça l'église de Jésus-Christ. I'm sorry that religion has changed a lot of that. Je suis désolé si la religion a transformé beaucoup de choses à propos. But thank God your country has freedom for us to come out here. Je rends grâce à Dieu de ce que vous avez assez de liberté pour venir ici. And share with you. Et d'avoir de me donner l'opportunité de partager ceci avec vous. Jesus is the same today as he was in Bible if we let him be. Jésus est le même aujourd'hui comme il était du temps biblique si nous le lui permettons. He told us to go preach. That's what I'm doing. Il nous a demandé d'aller prêcher. C'est ce que je suis en train de faire. And he said, when you go preach. Et il dit, quand vous allez prêcher. And people believe what you preach about Jesus. Et si les gens croient ce que vous avez prêché à mon sujet. These miracles shall follow the people that believe. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. The Bible says that. C'est la Bible qui dit ça. Jesus said that. C'est Jésus qui a dit ça. He said, "In my name, they shall cast out devils." Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. The reason he said that. La raison pour laquelle il dit ceci. Sickness is a destructive power. C'est que la maladie est une puissance destructive. And sin. Is a destructive power. Et le péché est aussi destructeur. The Bible says the wages of sin is death. Et la Bible dit le salaire du péché est la mort. Hear me, young people. Et voici, nous avons des gens ici. Every sin you commit. Et chaque péché que vous commettez. Something in you dies. Tue quelque chose en vous. Something in you dies. Quelque chose en vous meurt à chaque fois que vous péchez. Sickness is not from God. La maladie ne vient pas de Dieu. It's an enemy. C'est un ennemi. It destroys beautiful people. Elle détruit de belles gens. God says, Dieu dit, Jesus said, Jésus dit, in my name you'll cast out devils. En mon nom. Vous chasserez des démons. And you can, and you can lay hands on the sick and they shall recover. Et vous pourrez imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Who? Qui? The preacher? Les prédicateurs. No, he said the believer. Non, il dit ceux qui croient. The believer. Les croyants. Are you a believer? Êtes-vous des croyants? So let's. Accept his word. Alors, acceptons ses paroles. Draw near to God with your heart. Approchez-vous de Dieu dans votre cœur. I want to make this as quick as I can. Je veux faire ceci aussi rapidement que je le peux. Put your hand on your heart. Posez vos mains sur votre cœur. And close your eyes. Et fermez vos yeux. Remember, I can't do anything for you. Souvenez-vous, je ne peux rien faire pour vous. Except be a voice to give you good news. Sinon que d'être une voix qui vous annonce la bonne nouvelle. But my friends, God is watching you right now. Mes amis, je vous dis que Dieu vous observe maintenant. Receive him. Recevez-le. The Bible says. La Bible dit. As many as receive him, he gives, he makes his child. He gives them the power to become his child. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. You believe that? Croyez-vous cela? Amen. Say, I will receive him tonight. Dites, je le recevrai ce soir. I'm not a skeptic. Je ne suis pas un sceptique.
I'm a believer. Je suis un croyant. I want what God has for me. Je veux ce que Dieu a pour moi. Draw close to God. Approche-toi de Dieu. Say Jesus. Dis Jésus. Keep it strong. I've heard your message tonight. J'ai écouté ton message ce soir. I believe the Bible. Je crois la Bible. I believe Jesus Christ came and lived. Je crois que Jésus est venu et a vécu. And healed people. Et a guéri les gens. And saved people. Et a sauvé des gens. I know they killed him. Je sais qu'ils l'ont tué. He was crucified. Il a été crucifié. And buried. Et il a été enseveli. But 3 days later, you raised him from the dead. Mais après 3 jours, tu l'as ressuscité d'entre les morts. I believe that you're alive today, Lord. Je crois que tu es vivant aujourd'hui, Seigneur. I open my heart. J'ouvre mon cœur. Lord Jesus Christ. Seigneur Jésus-Christ. Come into my heart. Entre dans mon cœur. Cleanse my sins away. Enlève mes péchés. By the blood of Jesus Christ. Par ton sang. I receive you, Lord. Je te reçois, Seigneur. I do believe the gospel. Je crois en l'évangile. Now, put one hand up. Maintenant, lève une main. And say, Jesus Et Christ. Dis, Jésus-Christ. I've become a believer tonight. Je suis devenu un croyant aujourd'hui. I will follow you the best I know how. Je te suivrai de la meilleure manière que je sais. Thank you. Merci. Now I have peace in my heart. Maintenant j'ai la paix dans mon cœur. If I would die tonight, I would go to be with you. Je sais que si je mourais ce soir, je viendrai rester avec toi. Thank you for that peace. Merci pour cette paix. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Now, Christ goes home with you tonight. Ce soir, Christ rentre avec toi, chez toi. Believe that. Crois cela. Before you go to bed, kneel, say thank you, Lord, you've come home with me. Avant d'aller au lit, agenouille-toi et dis, Seigneur, je te remercie d'être rentré avec moi. Now the Bible says. Maintenant la Bible dit. He forgiveth all your iniquities. Il te pardonne toutes tes iniquités. And he healeth all your diseases. Et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. The same Jesus that's come to you. Le même Jésus qui est venu à toi. He's your healer. Il est ton guérisseur. He wants to heal you. Il veut te guérir. He loves you. Il t'aime. For the first prayer. Pour la première prière. For sickness. Pour les maladies. I'd like to ask a question. Je voudrais vous poser une question. I've been thinking about this. Je pensais à ceci depuis. Is there anybody here? Y a-t-il quelqu'un ici? Who has one totally deaf ear? Qui a une oreille totalement sourde, il n'entend pas d'une oreille. You can hear out of the other. Vous pouvez entendre de l'autre. But one is deaf. Mais
une oreille est totalement sourde. You've heard me preach with the good ear. Vous m'avez entendu prêcher avec la bonne oreille. But one ear is deaf. Mais l'autre est sourde. Is there anybody like that y a-t-il ear? Quelqu'un comme ça? That's one hand. There? How long? Which ear? Depuis combien d'années? No, I say which ear? Et quelle oreille? Laquelle? How long is it? Huh? Et combien d'années? How long? Depuis quand? 5 ans. 25 years. 25 years. 25 ans. If God would heal that woman's ear. Et si Dieu guérissait cette femme ici? Would that help you believe? Est-ce que cela vous aiderait à croire? With God, it's no difference whether it's a deaf ear, a blind eye, crippled leg. Il n'y a point de différence pour Dieu que ce soit une oreille sourde, un œil aveugle ou un pied paralytique. Is there anybody else? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Someone over here? Which ear? Which ear? Quelle oreille? Huh? Which ear? How long has it been? Depuis combien de temps? 20 ans. 10 ans, 20 ans. 20 ans, 25 ans. Anybody over here? Laquelle? Which ear? La gauche, the left one. How long? 2 ans. 2 years. Yeah. Anybody out there? Quelqu'un d'autre là? Oh, I see. There's a lot of hands. Il y a beaucoup de mains. Look at, look. Regardez. Look. Le petit, oui. Which? Laquelle des oreilles? La gauche, the left one. You believe Jesus will come and heal you? Crois-tu que Jésus viendra te guérir? Yeah. Look at the hand. Regardez ses mains. I didn't realize there were so many people like that. Je n'ai pas réalisé qu'il y avait beaucoup de gens comme ça. Listen to me. Écoutez-moi. To save time. Pour gagner du temps, I want to pray for you. Je vais prier pour vous. This first prayer. Cette première prière. Why pray for you? Why pray for deafness? Pourquoi vais-je prier pour la surdité? I know how people are. Je sais comment les gens sont. People are thinking, wait a minute. Et les gens se disent, attends un instant. Is this man tricking us? Et cet homme est-il en train de nous truquer? Huh? Hmm? Well, if God can heal these deaf ears, si Dieu peut guérir ces oreilles sourdes, would that help you to believe? Est-ce que ça vous aidera à croire? Someone said it's psychology. Et quelqu'un va dire ça, c'est de la psychologie. Oh? Non. Huh? Psychology? Psychologie? Have you got psychologists in Paris that can heal these deaf ears? Y a-t-il des psychologues à Paris qui pourront guérir ces oreilles sourdes? Come along, we want to know. Et venez, nous voulons savoir. Not psychology. C'est pas de la psychologie. I'm just trying to help you. J'essaie juste de vous aider. Way out there, tell me how long you've been deaf? Et vous qui êtes là-bas qui avez levé les mains, depuis quand êtes-vous sourd? Tell me hello. Dites-moi. 5 ans. Can you hear? 5 ans. Come on. 4 ans. Huh? Okay. Okay. To save time, let me ask you a question. Pour gagner du temps, je voulais vous poser encore une question. If God will come to you, si Dieu vient à vous, and heal you, et vous guérit. If God will do that for you, si Dieu fait ça pour vous, will you tell it for the honor of God? Viendrez-vous en parler en l'honneur de Dieu? Are you willing to tell it publicly? Êtes-vous désireux de le déclarer publiquement? This woman says yes, yes, yes. Cette dame dit oui, oui, oui. The Bible says. La Bible dit. If you're ashamed of me. Si vous avez honte de moi. I'll be ashamed of you. J'aurai honte de vous. But God is not ashamed of you. Mais Dieu n'a pas honte de vous. God loves you. Dieu vous aime. Now it will be difficult for you to come. Et s'il sera difficile pour vous de venir. But that would be your way to thank God for healing you.
Je crois que ce serait néanmoins votre manière de dire merci à Dieu. To come up here and tell it. De venir ici et d'en parler. I was preaching in India. Je prêchais en Inde. A crowd of Hindus. Il y avait une foule d'hindous. Far up the back was a Hindu woman. Il y avait une hindou derrière. A little woman. Elle était petite de taille. Red spot on her forehead. Et avec un point rouge she sur son front. She was very timid. She was very timid. Elle était très timide. And she was afraid. Elle avait peur. Because she didn't know what these Christians were. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'étaient ces chrétiens. When I was praying for the people, pendant que je priais pour les malades, Jesus appeared to that woman. Jésus apparut à cette dame. You know what he said? Vous savez ce qu'il a dit? He said, "Daughter, I have forgiven your sins." Elle a dit que le Seigneur Jésus lui a dit, fille, je te pardonne tes péchés. Go tell the people what I've done. Va dire aux gens ce que je t'ai fait. See, God wants us to tell what he's done for us. Dieu veut que nous racontions ce qu'il nous a fait. If God will heal you, et si Dieu te guérissait, will you come and tell it? Viendrais-tu en parler? All right. Okay. God heard your promise. Dieu a entendu ta promesse. These signs shall follow them that believe. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. In my name you shall cast out devils. Ils chasseront les démons. You shall lay hands on the sick and they shall recover. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Okay, listen closely. Écoutez attentivement. Do what I tell you to do. Et faites ce que je vous demande de this faire. This is not psychology. Et ce n'est pas de la psychologie. This is Bible. Et ça c'est la Bible. Lay hands on the sick. Imposez les mains aux malades. If you're a believer. Et si vous êtes croyant. And they shall recover. Et ils seront guéris. That's not psychology. Et ça c'est pas de la psychologie. That's acting on the word of God. Et ça c'est agir conformément à la parole de Dieu. So you're a believer. Et vous êtes des croyants. You can put your hand on your deaf ear. Et vous pouvez imposer la main à votre oreille sourde. I can't heal you. Je ne peux pas vous guérir. But you are doing what Jesus said for a believer to mais do. Mais vous êtes en train de faire ce que Jésus a dit aux croyants de faire. And if you'll do that, et si vous le faites, he'll come and heal you. Il viendra vous guérir. Believe it. Croyez en cela. So listen close enough. Alors écoutez attentivement maintenant. Stop up your deaf ear. Mets le doigt dans l'oreille sourde. Tight. Très fort. So you can only, but you're hearing me with your good ear. Mais comme ça vous m'écoutez avec la bonne. Stop up your deaf ear. Et mettez le doigt dans l'oreille sourde. Do it reverently. Faites-le avec respect pour Dieu. Let's all say this. Et disons tous ceci. Lord, we're doing this in your name. Seigneur, nous faisons ceci en ton nom. We believe what you've said. Nous croyons ce que tu as dit. Now, keep your ear stopped up while I pray. Et que l'oreille soit toujours bouchée par ton doigt pendant que je prie. And listen to my prayer with the other ear. Et écoute ma prière avec l'autre oreille. And after I prayed, et après que j'aurai fini de prier, do what I tell you to do. Tu feras ce que je te demanderai de faire. Father in heaven, Père céleste, I pray for these beautiful people. Je prie pour ces merveilleuses personnes. I know you want to bless this multitude of people in Paris. Je sais que tu veux bénir cette multitude à Paris. The devil has stolen the hearing of many people. Et le diable a volé l'ouïe de beaucoup de personnes. You created us, Lord. Tu nous as créés, Seigneur. You didn't create us deaf. Tu ne nous as pas créés sourds. Our ears are made to hear. Nos oreilles sont créées pour entendre. A beautiful music. La merveilleuse musique. The voice of your message. La voix de ton message. Thank you that you made us to hear. Merci de nous avoir créés pour entendre. You sent me as your servant. Tu m'as envoyé comme ton serviteur. I pray now for everyone in this multitude whose ear
is deaf. Je prie maintenant pour quiconque est sourd dans cette multitude. And I speak in your name. Et j'ai parlé en ton nom. I thank you for the authority you've given me to speak in your name. Je te remercie pour l'autorité que tu m'as donnée pour parler en ton nom. I believe right now. Je crois maintenant that you are restoring those ears. Que tu es en train de restaurer ces oreilles. As a testimony to this multitude. Comme témoignage à cette multitude. In the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, by the power of the Holy Spirit, par la puissance du Saint-Esprit, I come against every deaf spirit. Je me lève contre tout esprit de surdité. I command every enemy, je commande à tout ennemi, every deaf spirit, tout esprit de surdité. Hear me now. Écoutez-moi maintenant. I speak in the name of our Lord. Je parle au nom de notre Seigneur. I command you. Je t'ordonne. Leave their ears. Quitte leurs oreilles. Let their ears hear. Et que ses oreilles entendent. I thank you, Lord. Je te remercie, Seigneur, that you heard my prayer. D'avoir exaucé ma prière. I thank you for the authority. Je te remercie pour l'autorité. To command devils that trouble us to leave. D'ordonner les démons qui nous tourmentent de quitter. Our ears are made to hear. Nos oreilles sont créées pour entendre. Look at your people. Et regarde ton peuple. They're standing there with one ear stopped up. Et ils sont là debout avec une oreille. Right now, let your power come to them. Maintenant que ta puissance survienne sur eux. I speak to them. Je leur parle. Let those ears hear. Que ces oreilles entendent. By your creative power. Par ta puissance créatrice. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Who is risen from the dead. Qui est ressuscité d'entre les morts. And who is here among the people. Et qui est ici parmi la foule. I thank you, Lord, that you've heard my prayer. Je te remercie, Seigneur, d'avoir exaucé ma prière. You always hear us when we pray. Et tu nous écoutes toujours quand nous prions. Now do what I tell you. Maintenant, faites ce que je vous dis. Take your hand away from that ear. Sortez le doigt de cette oreille. Take it away. Sortez le doigt. Now, stop up your good ear. Maintenant, bouchez la bonne oreille. Stop up your good ear. Bouchez la bonne oreille. Stop it up. Bouchez-la. Stop it up. Bouchez-la, la bonne. Now listen to me. Écoutez-moi maintenant. Listen in Jesus' name. Écoute au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you for hearing our prayer. Merci d'avoir exaucé notre prière. Thank you for opening these ears. Merci d'avoir ouvert ces oreilles. These ears are hearing now by your power. Ces oreilles entendent maintenant par ta puissance. Because you love these people. Parce que tu aimes ces gens. Keep your good ear stopped. Et que la bonne oreille soit toujours bouchée. Listen with your deaf ear. Écoutez avec l'oreille sourde. Everybody say, thank you, Jesus. Que tout le monde dise, merci Jésus. I am healed. Je suis guéri. You have heard me. Tu m'as écouté. Thank you that you're here. Merci d'être ici. Your presence is here. Ta présence est ici. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. 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 Say, I'm healed. Dis, je suis guéri. Je suis guéri. All right. I want every one of you, if you had one ear that was deaf. Et je veux que quiconque d'entre vous avait une oreille sourde.
And now if that ear's open, et que cette oreille est maintenant ouverte, I want you to wave your hand. Je veux que vous me balanciez wait. Votre main. Wait. Look, look, regardez, regardez. Regardez. Hundred. Combien? Regardez. Hallelujah. 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 My friend. Mes amis. This is a lesson to France. Ça, c'est une leçon pour la France. To every preacher in France. To every preacher in France. À tous les prédicateurs en France. And a lesson to every believer in France. À tous les croyants de la France. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Who's the happiest? Qui est le plus content ou la plus okay, contente? Come on. What happened? Je remercie le Seigneur pour les miracles. Je le remercie, je rends la gloire à Dieu. Que sa puissance déverse maintenant ici pour tous les malades. Il m'a guéri, il m'a ressuscité. À droite. À droite. Ouais. Dites ce que je dis. Dites ce que dit le docteur Osborne. Amen. 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 Dites exactement ce qu'il dit. Alléluia. Jésus m'a guéri. Je suis guéri. I'm whispering. Et qui l'a fait? Perfect. Hallelujah. Wonderful. Wonderful. Merveilleux. Wonderful. Merveilleux. Wonderful. What's your mama? Je suis sourde de l'oreille gauche. Avant 10 ans, j'ai plus de 64 ans et ça fait plus de 60 ans que je suis sourde. Mon oreille gauche, je n'entendais pas. Et je bénis le Seigneur devant le peuple. Je bénis le Seigneur devant son peuple. Je bénis le Seigneur devant son peuple. Seigneur Jésus, je te bénis. Que sois loué, Seigneur. Amen. 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 Hallelujah. Alléluia. Jésus m'a guéri. Merci, Jésus. Maintenant, je peux merci, ouvrir. Merci, Jésus. Je suis contente. Je suis contente. Alléluia. Pour mon nom. Alléluia. Pour... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes guéri? Oui. Le Seigneur vous a guéri? Gloire à Dieu. Oui, oui. Venez, venez, venez. Amen. Amen. Quel... L'oreille droite. L'oreille droite. Répétez ce que j'ai dit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Je suis guéri. Jésus m'a guéri. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Merci Seigneur, alléluia. Who can explain that? Qui peut expliquer cela? Did I do it? Moi je ne le peux pas. I didn't touch him. Je ne l'ai pas touché. God did it. C'est Dieu qui l'a fait. God heard your prayer. Hallelujah. Hallelujah. I'm not the miracle man. Je ne suis pas un homme de miracle. He is the miracle man. Mais c'est lui qui fait les miracles. Who? Put you. This one, this one. I'm on this side. Oh, thank you. Thank you. Stay. Put you. Répète ce que dit le docteur. Amen. Oui. Alléluia. Répète. Alléluia. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Je peux ouvrir maintenant. Comment? Je peux ouvrir maintenant. Je peux lui maintenant. Je suis content. Je suis content. Moi, je suis guéri. Là, je suis guéri. Maintenant. Maintenant. Alléluia. Alléluia. Wonderful. Merveilleux. Wonderful. Maybe someday you'll grow up and preach the gospel. Peut-être quand vous serez grand, vous allez prêcher l'évangile. Wouldn't that be wonderful? Yeah. Okay. Oh, yeah. Oh, okay. Okay. Dites-le. Amen. Amen.
Alléluia. 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia. Je suis très content. Je suis très content. What do you think about that? Que penses-tu de cela? Is that wonderful? Est-ce merveilleux? The doctor said to me, en français, depuis 20 ans, je n'entendais pas, et il m'a dit, jamais je récupère mon oreille. The doctor said, never you can have your ear. Hallelujah. He's the big doctor. He's the big doctor. Il est le grand médecin. You believe that? My friends, God is alive in France. Ami, Dieu est vivant en France. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. You've confirmed your gospel tonight. Tu as confirmé ton évangile ce soir. Dr. Osborne, huh? We have probably 100 people waiting to tell a testimony. Et il y a environ une centaine de personnes qui attendent pour rendre témoignage. Wow. We can't get them all up here because of the limitations of the stage. Nous ne pouvons pas les faire monter tous parce que l'estrade ne peut pas supporter tout ce nombre. Look at this. Regardez cela. A miracle too much to handle. Et il y a trop et on ne peut pas s'en occuper tous, on ne peut pas faire venir tout le monde. My friends, I appeal to you. Mes amis, je vous lance cet appel. Only believe. Croyez seulement. Do you like that? Do you like that journalist from Mother Teresa? Aimez-vous ce journaliste qui a été voir la Mère Teresa? Say now, I believe. Et vous êtes comme lui et dites maintenant, maintenant je crois. Hallelujah. 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 Come. Yeah. Yeah. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Yeah. J'ai les oreilles, ça fait 4 ans, je n'entends pas. Il y a le tempo qui est déchiré. Ça fait 4 ans, le tempo est déchiré. Mais aujourd'hui, je ne savais pas. Vraiment, j'ai donné la foi. Depuis à la maison, j'ai dit non, je m'en vais rencontrer avec Jésus. Vraiment, j'avais la foi parce que je suis chrétienne, vraiment. Mais à un moment, vraiment, avant qu'on nous appelle, les gens disent, mais je commence à attendre. Je dis, je vais fermer là. I'm not hearing. Et j'ai fermé là. Et je commence à attendre. À droite, dans le nom de Jésus. Jésus est vivant. Jesus vraiment, Jésus est vivant. Je ne partirai plus chez le médecin. Aujourd'hui, c'est fini, moi, avec le médecin. Parce que vraiment, j'ai tout le temps à médecin. Pendant 4 ans, je m'avais à médecin. Good. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Say praise the Lord. Dis gloire à Dieu. Levez les mains. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Okay. Okay. Come and tell you. You talk to him. Talk to him. This woman was using an hearing apparel. Avant, utilisait quelque chose pour l'aider à entendre, mais aujourd'hui, Jésus l'a guéri. Qui? Elle? Oui? Dites Amen. Amen. Hallelujah. J'ai été opérée 4 fois des 2 oreilles. 2 opérations ici, 2 ici. Et celle-là, le médecin avait dit qu'il pouvait la sauver. Et celle-là, du tout, je n'entendais rien. Par les prières aujourd'hui, je vous entends parfaitement. Je remercie Jésus. Je remercie tout le monde. Venez à Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais l'abandonner. Jésus est mon Seigneur. Merveilleux Jésus. Amen. My friends, I ask you again. Mes amis, je vous demande encore. Explain this. Expliquez-moi ceci. Explain it. Expliquez-le. God answers prayer. Dieu exauce les prières. The Bible is true. La Bible est vraie. Jesus is alive. Jésus est vivant. You're seeing the proof. Vous avez vu des preuves. This is not psychology. Et ça, c'est pas de la psychologie.
it's simple faith in God, like the Bible. La foi simple en Dieu et en la Bible. Give your life to Jesus. Donnez votre vie à Jésus. Find a church that believes in miracles. Trouvez une église qui croit aux miracles. Follow Jesus. Suivez Jésus. Witness to people of what you saw. Rendez témoignage aux hommes de ce que vous avez vu. Listen. Écoutez. Alléluia. Je suis pasteur, je viens de Bruxelles. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même. I'm coming from Brussels. From where? Brussels. In Belgium, Brussels. Oh, yeah. Oui. Et c'est par la révélation du Seigneur Jésus lui-même que j'ai su qu'il y aura une croisade ici par le docteur Osborne. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'avait dit, mais le Seigneur Jésus lui-même. Et oh, maintenant, au moment où je vous parle, j'étais sourd de l'oreille gauche depuis l'âge de 10 ans. Maintenant, je suis âgé de 70 ans et je suis sauvé. Je suis guéri. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Croyez en cet homme de Dieu. Croyez au Seigneur. Croyez au Seigneur Jésus. Non. Croyez en Jésus-Christ. Croyez aux paroles de Jésus qui sont prononcées par lui. Oui, alléluia. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Croyez le témoin de Jésus-Christ. C'est ce qu'il voulait dire. Alléluia. Oui, gloire à Dieu. Mon frère, dites ce que je dis. Dites amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a guéri. Il parle très doucement. Hallelujah! Amen. 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 Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible est vraie.